En divers lieux d'Europe, il existe des pays dont la civilisation est des plus arriérées. En Espagne, à 100 km de Salamanque, foyer de haute culture, se trouvent les Hurdes. Elles sont isolées du monde extérieur par de hautes montagnes difficilement accessibles, couvertes de bruyères et de cistes. Avant d'arriver aux Hurdes, nous devons passer par la Alberca, village assez riche, de caractère féodal, qui a une grande influence sur la vie des Hurdes, dont presque tous les habitants sont tributaires. Voici l'église de la Alberca. Deux têtes de mort dans leur niche semblent présider aux destinées du village. Les maisons ont généralement trois étages et leur architecture est peu fréquente en Espagne. Elles donnent aux rues un aspect moyenâgeux. Les maisons, pour la plupart, portent gravées au-dessus de la porte une inscription religieuse « Ave Maria, l'Immaculée qui a conçu sans péché ». Le jour de notre arrivée, nous voyons les femmes du village en train de se peigner. Elles sont habillées de leurs plus beaux vêtements. Nous leur demandons pourquoi elles font toilette. Elles nous répondent qu'il faut que nous allions sur la place de l'église, où l'on va célébrer comme chaque année une fête étrange et barbare. Devant la population rassemblée, les hommes les plus récemment mariés, à l'époque de notre voyage en 1932, c'étaient les six que vous voyez ici, doivent chacun arracher la tête d'un coq. Entre deux angles d'une rue, on tend une corde. On y pend un coq attaché par les pattes. Chacun des cavaliers passant au galop devra arracher la tête d'un coq. En dépit de la cruauté de cette scène, notre devoir d'objectivité nous contraint à vous la montrer. On peut observer que la cruauté de cet acte n'est pas atténuée par la dextérité du cavalier. Si l'un d'eux échoue, il retourne et recommence autant de fois qu'il est nécessaire, mais il faut que chaque homme arrache une tête. Cette fête sanguinaire cache sans aucun doute plusieurs symboles ou complexes sexuels que nous n'analyserons pas maintenant. Après avoir promené triomphalement à la tête du coq par les places et les rues du village, les nouveaux mariés offrent du vin à toute la population. Les échansons, en même temps que du vin, distribuent aux habitants des plaisirs par milliers. Parmi la foule, nous apercevons cet enfant richement orné de médailles d'argent. Bien que les images qui figurent sur ces médailles soient chrétiennes, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux amulettes des peuples sauvages d'Afrique et d'Océanie. Nous quittons la Alberca, où à 7 heures du soir, presque tout le monde déjà est ivre, et nous nous dirigeons vers la cime, à 3 km du village dont nous pouvons déjà découvrir tout le panorama des Hurdes. Voici cet enchevêtrement de montagnes au sein desquelles se trouvent disséminés les 52 villages qui composent les Hurdes, avec une population totale de 8000 habitants. Pour y parvenir, il faut descendre une pente abrupte et traverser la vallée splendide Las Batuecas, actuellement habitée par un vieux moine qui vit là, entouré de quelques domestiques. Cette vallée fut habitée 4 siècles durant par des moines, les Carmes, qui prêchèrent la religion chrétienne dans les villages les plus importants des Hurdes. À part les quelques personnes que nous avons citées, le couvent se trouve inhabité et il n'en reste plus que des ruines au milieu d'un paysage d'une beauté grandiose et sauvage. Las Batuecas ont conservé des vestiges d'une vie préhistorique intense. On a trouvé dans leurs cavernes des peintures d'une exécution savante représentant des hommes, des chèvres et des abeilles.
les crapauds, les couleuvres et les lézards sont les habitants actuels de ces ruines. La végétation est d'une grande richesse. Plus de 200 espèces d'arbres croissent ici librement. Mais à 5 km de cette vallée, le sol change brusquement et, à part quelques rares arbres fruitiers, on ne rencontre plus que la ciste et la bruyère. Le couvent est entouré d'une muraille de 8 km de pourtour qui sert à le protéger contre l'attaque des loups et des sangliers très nombreux dans les parages. À l'intérieur de l'enceinte formée par la muraille se dressent, disséminées çà et là, les ruines de 18 ermitages signalées toujours par un ou plusieurs cyprès. Lorsque le monastère était habité, les anachorètes des ermitages devaient, à minuit, agiter leurs cloches. Du monastère, le prieur leur répondait avec la grande cloche. Derrière ces sommets qui appartiennent encore à Las Batuecas, commencent les Hurdes. Nous les franchissons et nous voici en plein paysage des Hurdes. Ce village, à cette île-là, est situé dans une des vallées les plus pauvres. Le bâtiment blanc est l'école de construction récente. Dans les rues à flanc de montagne, nous surprenons la vie quotidienne des habitants. Détail curieux, dans les villages des Hurdes, nous n'avons jamais entendu une chanson. Parfois, on voit courir au milieu du village un misérable petit ruisseau qui descend de la montagne. L'été, il n'y a pas d'autre eau dans le village que celle-ci, et les habitants l'utilisent malgré la saleté répugnante de son lit. Voici quelques scènes surprises au passage. Le ruisseau sert à tous les usages. Trois fillettes mangent un morceau de pain trempé dans l'eau. Le pain, jusqu'à ces derniers temps, était presque inconnu aux Hurdes. Celui-ci a été donné aux fillettes par le maître d'école, qui généralement oblige les enfants à manger leur morceau de pain en sa présence, de peur que, aussitôt rentrés chez eux, les parents ne le leur enlèvent. On appelle les enfants à l'école. Ces gosses déguenillés qui vont pieds nus reçoivent le même enseignement que celui qu'on donne à tous les enfants qui fréquentent l'école primaire du monde entier. Les vêtements sont apportés par les Hurdanos qui émigrent pendant quelques mois de l'année sur les terres de Castille et d'Andalousie où ils s'adonnent surtout à la mendicité. À leur retour au pays, ils partagent les lots de vêtements en échange de pommes de terre. En général, le costume du Hurdano est tellement rapiécé que c'est à peine s'il reste un morceau de l'étoffe primitive. À ces enfants affamés, on apprend comme partout ailleurs que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. Dans quelques villages des Hurdes, et particulièrement ici, à cette île-là, la plupart des enfants sont des pilus. Les pilus, ce sont des enfants abandonnés que les femmes des Hurdes vont chercher à l'assistance publique de Ciudad Rodrigo, située à deux jours de marche à travers la montagne. Elle se charge de les élever en échange d'une pension de 15 pesetas par mois. Cette somme misérable servait à faire vivre toute une famille jusqu'au jour où, il n'y a pas longtemps, fut interdite aux Hurdes l'industrie des pilus. Une image inattendue et choquante que nous découvrons dans l'école. Que peut bien faire ici cette gravure absurde? Nous ouvrons au hasard un livre de morale que nous trouvons sur une table. L'un des meilleurs élèves écrit au tableau, à notre demande, l'une des maximes de ce livre. La morale que l'on enseigne à ses petits est la même que celle qui régit notre monde civilisé. Respecte le bien d'autrui.
Dans cette vallée relativement riche, on rencontre quelques noyers, des cerisiers et des oliviers. Ceci est le village de Martin-Andran. Ces croûtes que l'on voit entre les arbres qui évoquent la carapace d'un animal fabuleux ne sont autre chose que les toits du village. À l'entrée du village, un cœur de toux nous accueille. La majeure partie des habitants est malade. Les tableaux qui se présentent à notre vue sont d'une misère désolante. Le goitre est la maladie spécifique des Hurdes hautes qui constitue l'objet principal de ce reportage. Voyez cette femme avec son goitre, elle n'a pas plus de 32 ans. Nous visitons le village accompagné de l'alcade de Martin-Andran. Dans une rue déserte, nous rencontrons une fillette. Nous demandons à l'alcade ce qu'elle a. Il nous répond que depuis 3 jours, l'enfant reste là sans bouger. Elle doit être malade puisqu'elle se plaint. Mais nous ne parvenons pas à savoir ce qu'elle a. Un de nos amis s'improvise médecin, s'approche d'elle pour s'informer de ce qui lui fait mal à la gorge. Il lui demande d'ouvrir la bouche et nous pouvons voir ses gencives et sa gorge enflammées. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. 2 jours après, comme nous demandions de ses nouvelles, on nous a répondu que la fillette était morte. De quoi se nourrissent les habitants de ce pays stérile? Les seuls aliments, ou presque, dont ils disposent, ce sont les pommes de terre et les haricots, et encore pas toujours. En particulier au mois de juin et de juillet, il arrive que cette base même de l'alimentation leur fasse défaut. Leur alimentation carnée se compose uniquement de porc. Il n'y a que les familles riches, si on peut les appeler ainsi, qui ont un porc. Chaque année, on tue le porc. Sa viande est dévorée en 3 jours. Aux endroits les plus fertiles poussent des oliviers. Souvent, le fruit en est détruit par les insectes. La chèvre est l'animal qui résiste le mieux dans ces parages stériles. On réserve son lait aux malades graves. Ils trempent dans ce lait le pain que les mendiants ramènent de loin et que l'on garde lui aussi pour les malades. On ne consomme de la viande de chèvre que lorsque l'une d'elles se tue, ce qui arrive quelquefois quand le sol est abrupt et les sentiers escarpés. La principale industrie alimentaire des Hurdes est l'apiculture. Mais les ruches, pour la plus grande partie, n'appartiennent pas aux Hurdanos. De plus, le miel que les abeilles extraient de la fleur de bruyère est très amer. Les propriétaires des ruches sont des gens de la Alberca. Ils ne laissent les ruches aux Hurdes que pendant l'hiver, qui est plus doux là que dans la province voisine de Salamanque. Au printemps, on transporte les ruches en Castille. À cette époque, il est courant de rencontrer une ou plusieurs bêtes chargées de ruches et qui se dirigent vers la Castille. Un jour, nous rencontrons cet âne avec son chargement de ruches que 2 Hurdanos conduisent vers Salamanque. Un peu plus tard, tandis que nous mangeons tranquillement, nous entendons appeler au secours. Les Hurdanos avaient attaché l'âne, duquel une ruche était tombée, et l'animal avait été ensuite attaqué par les abeilles. Les mouvements désordonnés qu'il faisait pour se défendre provoquèrent la chute des autres ruches, et des essaims d'abeilles se précipitèrent sur lui. 1 heure après, l'animal était mort. 1 mois avant notre arrivée, 3 hommes et 11 mulets avaient été tués de la même façon. Les mois de mai et de juin sont les plus durs pour les habitants des Hurdes, qui ont à cette époque épuisé leur provision de pommes de terre. Ils se nourrissent alors de cerises, et comme la faim les empêche d'attendre qu'elles soient mûres, ils les mangent vertes, ce qui leur donne la dysenterie. C'est alors que commence l'émigration. Les hommes que la maladie ne retient pas, que les fièvres ont épargnés, partent pour la Castille ou l'Estramadour pour tenter de travailler à la moisson. Nous rencontrons quelques-unes de ces caravanes composées de 10, 30, 50 hommes, pourvus en tout et pour tout d'une couverture. Ils n'ont ni argent, ni pain, et ils vont très loin à pied pour chercher du travail. Nous croisons, plusieurs jours après, un groupe de ces hommes qui s'en reviennent comme ils sont allés, sans argent et sans pain.
voici maintenant à l'un des points essentiels de ce reportage. Comment les Jordanos font-ils pour construire le champ qui devra leur permettre de manger? Ils commencent par choisir un terrain proche de la rivière, puis, aidés par leurs femmes, leurs parents et leurs amis, ils le débarrassent de sa végétation habituelle de bruyère et de ciste. Les outils de travail sont toujours rudimentaires, une pioche et une pelle. Ils ne disposent pas d'autres instruments pour labourer, la charrue est inconnue dans la plupart des villages des Jordes. Une fois que le terrain est défriché, ils élèvent des murs de pierre posés l'une sur l'autre sans mortier. Ce mur protégera le champ des inondations hivernales. Quand le mur est construit, il leur faut aller chercher la terre végétale dans la montagne. Ils en emplissent leurs sacs, qu'ils transportent ensuite à travers les ronces jusqu'à leur champ. Ce travail les occupe généralement plusieurs semaines. Voyez la mince couche de terre végétale qui recouvre un champ Jordano. La première année, la récolte est abondante, mais ensuite, la terre s'épuise faute d'éléments nitrogénés et devient stérile. Tous les champs des Jordes ont la forme d'étroites bandes de terre en bordure de la rivière. Souvent, les crues hivernales anéantissent en quelques instants le travail de toute une année. Voici le méandre caractéristique d'un cours d'eau des Jordes avec les petits champs échelonnés. Faute d'argent et d'animaux domestiques, le Jordano ne peut pas se procurer d'engrais. Aussi doit-il aller chercher sur la montagne de quoi en faire, comme la famille que vous voyez ici. Les chemins sont difficiles et les chaussures sont rares. L'engrais le plus apprécié est celui que les Jordanos fabriquent eux-mêmes avec les feuilles sèches de l'arbousier, arbuste qui n'est pas très abondant dans ces montagnes. Une fois arrivés à un endroit propice, ils emplissent les sacs de ces précieuses feuilles. Mais en ces endroits, la vipère est un animal très répandu. L'un de ces paysans a été piqué au doigt il y a quelques jours par une vipère en cueillant les feuilles d'arbousier. La morsure n'est presque jamais mortelle de soi-même. Ce sont les Jordanos qui, en essayant de se soigner, s'infectent parfois mortellement. Quand la cueillette des feuilles est terminée, le paysan s'en retourne au village et répand le contenu de son sac à l'intérieur de la maison. Sur ses feuilles, bêtes et gens mêlés se coucheront. Les feuilles se décomposeront lentement et quelques mois après, ils s'en serviront comme engrais. Voici la maison d'un habitant de Fragosa. Dès l'entrée, on marche sur le lit de feuilles qui ne fait jamais défaut dans les maisons des Jordanos. Intérieur caractéristique d'une maison. Les ustensiles sont primitifs et leur nombre très restreint. La fumée sort des maisons par où elle peut. Il n'y a pas de cheminée et pas de fenêtre. En été, les cours d'eau sont presque à sec et ce fait est à l'origine du paludisme transmis par le moustique Anopheles. On peut dire que tous les Jordanos sont paludiques. Cette maladie est à présent combattue par les médecins des trois factories des Jordes. La larve doit monter à la surface de l'eau pour respirer. Si elle se tient parallèlement à la surface, c'est une larve d'Anopheles. Si elle se tient perpendiculairement à la surface, c'est une larve de Culex, moustique inoffensif. L'Anopheles adulte se trouve dans toutes les maisons Jordanas.
On le reconnaît au fait qu'il se pose perpendiculairement au mur. Voici le résultat de la piqûre de l'Anophel, un homme attaqué par la fièvre, assis près de sa maison. Nous rencontrons par les rues beaucoup de malades. Cette malade couchée sur son balcon ne se doute pas de notre présence. Des balcons comme celui-ci, ou de toute autre sorte, sont rares dans la plupart des villages des Hurdes. Les nains et les crétins sont en grand nombre dans les Hurdes hautes. Généralement, leurs familles les emploient à garder les chèvres. Certains sont dangereux. Ou bien ils fuient l'homme, ou bien ils l'attaquent à coups de pierre. On les rencontre dans la montagne vers la tombée de la nuit, alors qu'ils regagnent le village et nous eûmes de grandes difficultés pour arriver à filmer quelques-uns d'entre eux. Le réalisme même d'un Zurbaran ou d'un Ribera reste encore bien en dessous d'une telle réalité. La dégénérescence de cette race est due principalement à la faim, au manque d'hygiène, à la misère et à l'inceste. Le plus petit que vous voyez ici a 28 ans. Voici un autre type de vieux crétin. Un autre crétin. Ce crétin presque sauvage, nous n'avons pu le filmer que grâce au concours d'un de nos amis Urdanos, qui a su amuser et calmer son interlocuteur. Un jour, nous voyons un groupe de gens devant la porte d'une maison. Un enfant venait de mourir. La mère. Une mort, c'est un des rares événements que l'on peut enregistrer dans ces villages misérables. Les femmes accourent en masse à la maison mortuaire. On nous a expliqué les complications qu'entraîne le transport de cadavres du fait que dans beaucoup de villages, il n'y a pas de cimetière. Il a fallu que l'on transporte cet enfant jusqu'au cimetière de Muño Moral et nous décidâmes de le suivre. Le corps fut placé sur une auge et conduit pendant plusieurs kilomètres à travers la broussaille. Si le mort est un adulte, on attache le corps à une échelle et on le conduit ainsi jusqu'au cimetière. Cela exige parfois des heures de marche. Vous voyez ici le passage d'une rivière avec le cadavre. Ce cimetière nous montre qu'en dépit de la grande misère des Urdanos, leurs idées morales et religieuses sont les mêmes que dans toute autre partie du monde. L'emplacement des tombes est indiqué par une croix ou un morceau de bois. La seule chose luxueuse que nous ayons rencontrée aux Hurdes, ce sont les églises. Celles-ci se trouvent dans un des plus misérables villages. Un intérieur parmi les plus confortables. Il y a ici le père, le fils, la bru et les deux petits-enfants. Au mur, la présence de ce papier découpé et l'alignement des couvercles attestent un certain sens de la décoration. Dans quelques villages, une femme parcourt les rues la nuit, c'est la criée de la mort. Elle va, agitant une sonnette, et parfois s'arrête pour psalmodier une prière. Tous les habitants d'une maison urdana
vivent dans la même et unique pièce. Mais comme cette maison-ci est un peu plus confortable, elle se compose d'une étable à l'étage inférieur et au premier étage de la cuisine et d'une chambre. Exceptionnellement, il y a un lit. Les Urdanos se couchent tout habillés en hiver. Ils portent leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Voici ce que dit cette femme. Il n'y a rien qui tienne mieux en éveil que de penser toujours à la mort. Réciter un Ave Maria pour le repos de l'âme de... Après un séjour de 2 mois dans les Urdes, nous quittons le pays.